Bonjour, bonjour. Merci de vous être déjà connecté. Il y a déjà du monde et vous êtes déjà en avance. Très bien. Bravo. Donc, nous allons démarrer dans 4 minutes, donc c'est-à-dire à 12h15 précise. Voilà. Bonjour tout le monde. Voilà, donc nous sommes deux pour intervenir. Et puis, en back-office, nous avons une hotline. Qui est là s'il y a des problèmes techniques, et puis un soutien également. Voilà. Très bien. Alors, en attendant de démarrer, puisque vous êtes en avance, bah tant mieux, vous allez profiter d'un certain nombre d'informations en avance. Vous aurez la possibilité de poser des questions tout pendant le webinaire, mais par écrit uniquement, en utilisant le chat, bien sûr, et nous y répondrons à la fin du chat, à la fin du webinaire. Le webinaire, il va durer une demi-heure plus un quart d'heure de questions-réponses. Donc, si je calcule bien, ça veut dire qu'à 12h45, le webinaire s'achèvera, du moins notre présentation, et ensuite, de 12h45 jusqu'à 13h, vous pourrez poser des questions. Ça veut dire que le déjeuner, c'est à 13h. Ce webinaire sera enregistré et vous aurez accès au replay à partir de 13h. Voilà, le lien sera mis dans le chat. Si vous avez des petits problèmes techniques, le son qui ne marche plus, ou vous n'entendez plus rien ou autre, ne nous demandez pas à nous, hein, on ne pourra pas faire grand-chose. En revanche, vous avez accès à la hotline Webikeo, notre prestataire. Les liens sont également dans le chat. Pour votre confort, nous vous conseillons également de fermer toutes les applications autres que Webikeo, bien sûr, enfin autres que le web plus exactement, que vous auriez sur votre PC, genre les Outlook, les Teams, les Zoom, enfin. Voilà, le plus possible de choses, fermez-les complètement, les applis. Et comme si vous utilisez un navigateur, ça marche mieux si vous utilisez Chrome et Mozilla. Voilà. Donc, théoriquement, vous devriez déjà le savoir puisque vous m'entendez et vous voyez. Donc, ça confirmerait que vous avez fait le bon choix de navigateur. Enfin, si d'aventure, il y avait quelque chose qui marchait moins bien, ça marche mieux quand c'est soit Chrome, soit Mozilla. Voilà. Bon, j'ai réussi à combler 3 minutes. J'en ai plus qu'une à combler avant de démarrer pour ce webinaire. Très bien. Ce webinaire, c'est Gauss. Voilà. Très bien. Allez, encore une petite minute. T'as déjà dit pas Et... mal de choses, je pense, pour combler ça. Ouais, c'est ça. Il y a plus grand-chose à dire. Bon. Tout ce que je viens de dire, de toute façon, c'est dans le chat parce que je vais pas le répéter en démarrage ou juste les deux informations les plus importantes pour celles et ceux qui nous rejoindraient pile à 12h15. Voilà. Statistiquement, il devrait y avoir dans la salle virtuelle, beaucoup d'acheteurs professionnels, de responsables d'achat professionnels, peut-être des gens de la supply chain ou d'autres gens qui sont intéressés. Donc, vous êtes tous, nous sommes tous, des gens très organisés et donc qui démarrons pile à l'heure. Et bien, c'est ce qu'on va faire exactement maintenant, puisqu'il est 12h15. Bonjour ou rebonjour, puisque je l'ai déjà fait il y a quelques minutes. Le bienvenue dans ce séminaire, enfin ce webinaire plus exactement, webinaire consacré à l'actualité et aux priorités des achats en cette rentrée de septembre 2023. Pour vous accompagner, nous sommes deux. Nous sommes deux. Donc, je suis Philippe Petit. Je suis responsable des formations achats de Segos, donc organisme de formation professionnelle. Qui a d'ailleurs, c'est drôle, qui a d'ailleurs une formation diplômante qui s'appelle responsable achat. Voilà. Et puis, je suis accompagné aujourd'hui par Benjamin.
Enchanté, donc Benjamin Benatar, donc consultant achat et formateur du coup Cegos. Très bien. Alors, rassurez-vous, si vous ne captez pas forcément tout de suite, tout va bien, vous aurez un replay qui sera disponible à la fin du webinar. La fin ultime, ce sera donc 13h. Nous arrêterons notre exposé à 12h15, à 12h45, pardon, pour vous permettre de poser des questions, enfin de répondre à vos questions que vous pourrez poser tout au long du webinar dans le chat. Voilà. Alors, de quoi va-t-on parler ? Ben, ça, vous le savez déjà. Vous connaissez déjà le titre. Hein, donc, c'est effectivement l'actualité qui est très riche d'ailleurs. Des achats, on va la focaliser sur celle des achats et les priorités qui sont données aux achats. Donc après un court rappel, nous aborderons les trois thématiques clés que vous avez sous les yeux en 2, 3, 4. Hein. Et ensuite, nous mentionnerons 6 messages clés que nous tenons à faire retenir par l'assistance. Et puis ensuite, donc, pour terminer, à 12h45, nous répondrons à vos questions. Voilà. Alors, là, la fameuse actualité globale et actualité des achats. Alors, c'est résumé en une planche que voici. Donc, le terrain de jeu, nous l'avons limité à la terre. Limité à la terre avec des problématiques qui apparaissent dans tous les sens. Donc, vous avez des choses qui sont à l'échelle globale, comme on dit maintenant, ou en tout cas à l'échelle mondiale de la planète. Et puis, vous avez des choses qui sont plus particulières la France. Il y en a qui sont connues, il y en a même qui sont connues depuis très longtemps. Il y en a d'autres qu'on fait semblant sur lesquelles nous faisons semblant d'être surpris, alors qu'il y a un certain nombre de choses qui sont arrivées qui étaient pourtant prévisibles. Alors, c'est pour ça qu'on va parler de risques aussi. Les problématiques qui sont plus franco-françaises, on va dire, ce sont les défaillances d'entreprises dont on parle en ce moment. Ce sont le plan du gouvernement français de localisation ou relocalisation d'un certain nombre d'activités, notamment industrielles, qui sont clés pour l'économie française. Ça s'appelle le plan France 2030. Ça fait partie de l'actualité. Toutes ces problématiques que vous voyez sous les yeux concernent tout le monde, notamment tous les citoyens, mais également les professionnels des achats. C'est très éclairant parce que ce n'est pas très rigolo hein, tout ce qu'on voit qui est montré là. Et pourtant, ce sont des contraintes que nous suggérons de transformer en opportunités de montrer l'efficacité, les compétences des professionnels des achats. C'est une fois de plus l'opportunité de mettre en avant, de mettre au devant de la scène la fonction achat par l'intermédiaire de celles et ceux qui la représentent, c'est-à-dire vous vraisemblablement, les professionnels des achats, les responsables achats. Alors, dans cette atmosphère pas forcément très, très intéressante avec le refroidissement climatique, hein, je sais pas, d'habitude on parlait du réchauffement, mais je ne sais pas, aujourd'hui je trouve qu'il fait plus froid que d'habitude, je ne sais pas ce qui se passe. Enfin bref, il y a plein de choses qui arrivent et qui vont donc solliciter les professionnels des achats. Alors en termes de priorités qui sont données aux achats en 2023, j'ai envie de dire rien de nouveau. Et pourtant, il y a du nouveau. Les trois priorités, vous les avez sous les yeux. Ma foi, surtout celle sur la réduction des coûts, ça fait plusieurs décennies qu'on y est habitué. La gestion des risques, c'est un petit peu plus récent. Mais surtout, ce qui est encore plus récent, c'est la RSE, c'est-à-dire la RSE appliquée aux achats, c'est-à-dire les achats responsables. Donc, ce sont trois priorités. Ma foi, qu'on connaissait déjà un petit peu. Donc là, on dirait qu'il n'y a rien de nouveau. Eh bien, si. Il y a deux choses qui sont nouvelles. La première chose, c'est l'ordre. En tout premier, c'est pour ça que je l'ai mis en haut, vous avez la RSE. Les achats responsables, c'est un incontournable. L'idée, ce n'est pas de se dire, alors, est-ce que c'est important pour les achats ou pas aujourd'hui? Non, ce n'est pas la question. La question, c'est comment faire pour vraiment être un soutien à son entreprise dans la mise en œuvre de la politique RSE. Voilà. Benjamin, dans quelques instants, nous en dira un petit peu plus.
Les deux autres, gestion des risques, réduction des coûts. Ma foi, c'est intéressant, sauf que c'est un petit peu exacerbé en ce moment. Hein. Suite à la pandémie, on a eu du « whatever it costs », hein, quoi qu'il en coûte. Ouais, sauf que ça a l'air de s'arrêter, ça. Donc, du coup, il va falloir faire quelque chose peut-être, non ? Du coup, COUP, hein. Il va falloir quelque chose peut-être sur les coûts COUTS. Nous allons voir ça. Ce qui est nouveau également, c'est le fait que ces trois priorités sont en relation. Il y a des liens entre la RSE et la réduction des coûts. Pourquoi ? Parce que la RSE, ce n'est pas juste protéger la planète, c'est aussi pérenniser des choix financiers qui sont faits. La gestion des risques, il y a certains risques qui se mesurent en termes de coûts. La RSE, c'est aussi adresser des problématiques de risque, bref, juridique, notamment réglementaire. Tout ça est très lié. Donc ça, c'est très nouveau et ça va nécessiter de la part des professionnels des achats de vraiment doper leurs compétences, se former, doper les compétences pour pouvoir être réellement au service de son entreprise. Rappelons-le, la fonction achat est une fonction support, comme on dit en mauvais français, donc qui est au service de l'entreprise, qui est un soutien à l'entreprise. Peut-être que c'est stratégique, toujours est-il que c'est positionné comme une fonction support. Cependant, quand on dit support, on a le droit aussi d'être force de proposition, c'est-à-dire d'être proactif par rapport à nos activités, faire des suggestions à notre entreprise. Très bien. Alors, après cette entrée en matière, donc on va dire plutôt positive, hein. C'est vrai que l'actualité n'est pas forcément reluisante, mais disons que ce sont des contraintes qui vont faire des opportunités pour la fonction achat et les professionnels qui la représentent. Alors, des responsables achats. Responsable, donc je vous disais tout à l'heure, le responsable achat, c'est l'intitulé de notre formation diplômante chez Segos, dans laquelle d'ailleurs Benjamin intervient. Si nous étions des responsables achats, responsables. Mais au fait, qu'est-ce que c'est que les achats responsables ? Quelle est l'actualité sur les achats responsables ? Benjamin, je te passe la main. Ben, merci Philippe et merci aussi de nous avoir parlé de ces priorités en cette rentrée de septembre 2023. Très intéressant aussi de voir l'ambiance qui s'y attache. D'ailleurs, en parlant d'ambiance, moi je tiens à préciser que j'ai passé d'excellentes vacances en Charente-Maritime, mais je dois dire que j'ai quand même été assez marqué par la difficulté de prévoir la météo d'une semaine sur l'autre, voire du jour au lendemain. Et pour aller même encore plus loin, Météo France a annoncé que le mois de juin 2023 était le mois le plus chaud jamais enregistré sur Terre, et même l'année 2022. Donc on sent bien que le changement climatique est bien là, il n'y a plus vraiment de doute, il fait de plus en plus chaud, en tout cas c'est devenu très difficile de prévoir où on va, et ça a un impact bien plus qu'environnemental. On voit que ça a un impact social, ça a un impact sociétal, et aussi ça a un impact économique. Et qui dit impact économique, forcément dit impact pour les acheteurs, des entreprises, des collectivités publiques, on va le ressentir de plus en plus. Alors c'est intéressant. Parce qu'on l'a vu et on le voit de plus en plus, les attentes des parties prenantes vis-à-vis de ce changement climatique, on les sent de plus en plus. On voit que les consommateurs, les clients finaux, les utilisateurs demandent de plus en plus de produits et de services durables. Et ça se ressent au niveau de l'acheteur. Mais ce qui est important de prendre en compte, c'est aussi cette réglementation. On voit bien que la réglementation elle est en train de se durcir. Alors on a eu, et les acheteurs ont été très concernés notamment sur la gestion des risques auparavant, par exemple la loi Pacte, la loi sur le devoir de vigilance, d'autres lois qu'on pourrait citer qui ont demandé aux acheteurs de devenir des experts, ou en tout cas de maîtriser à minima les risques. Maintenant, avec le décret BGS qui s'est endurci, on va voir que les acheteurs ils vont aussi devoir avoir des compétences sur les émissions environnementales. Alors, pour ceux qui le savent, le décret BGS, c'est le bilan des émissions de gaz à effet de serre, BEGES. Et en fait, ce décret, alors il existait auparavant, mais depuis janvier 2023, il s'est enrichi d'un nouveau scope, ce qu'on appelle le scope 3. Et c'est ce scope 3 qui va avoir un vrai impact pour les acheteurs. Alors, si on devait résumer vraiment de façon synthétique, lorsqu'on était soumis au BGS auparavant, donc on devait donner ses émissions de gaz à effet de serre sur le scope 1, donc le scope 1, c'est tout ce qui va concerner plutôt les installations, les équipements de l'entreprise. Donc toutes les émissions de gaz sur les installations et les équipements.
Ensuite, vous avez le scope 2. Donc, le scope 2, ça va être vraiment le scope qui va concerner tout ce qui est fourniture d'énergie, donc toutes les émissions de gaz sur les fournitures d'énergie. Et donc, on l'a dit, depuis janvier 2023, le scope 3 qui va comprendre deux parties. La partie en amont qui est du coup celle de la chaîne d'approvisionnement. Donc, typiquement, là, on va mettre les achats dedans. Et la partie en aval qui va être plutôt, on va dire, au maximum, enfin, si on devait prendre le point plus important, lié à l'utilisation du produit. C'est-à-dire vraiment jusqu'à la destruction de notre produit, qu'est-ce qu'en font nos clients, quelles sont les émissions de gaz à effet de serre qui y sont rattachées. Et ce qui est important de savoir, c'est que ce scope 3 qui contient les achats, eh ben, il va pouvoir représenter jusqu'à 75% du bilan de carbone des entreprises sur la partie émissions de gaz. Et ça, c'est l'ADEME qui le dit. Donc, c'est une donnée qui est plutôt fiable. Donc, ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire que nous, les acheteurs, et on va se rendre compte, ça devient de plus en plus visible dans les formations achats, et on voit de plus en plus d'initiatives dans les directions achats. Bah, lorsqu'on parle d'achat d'art responsable, il va falloir prendre en compte de plus en plus cette partie gestion de l'impact environnemental. Alors, je vous l'ai dit, on s'en rend compte de plus en plus, il y a des initiatives dans les directions achats. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on peut avoir des initiatives sur chacune des étapes du cycle achat. Donc, c'est quand même important pour nous, ça veut dire qu'on peut vraiment avoir un impact. Alors, je ne vais pas tous les citer parce qu'on n'a pas le temps et il y en a tellement en réalité que je les connais moi non plus pas toutes. Mais si on devait prendre les principales en partant du cycle achat, bah, ce qu'on peut voir qui est intéressant, c'est cette partie collecte de données. Jusqu'à présent, les acheteurs, on a toujours fait normalement nos stratégies achats. Et ben, lorsqu'on a fait nos stratégies achats, et ben, aujourd'hui, on va se rendre compte qu'on doit prendre de plus en plus cet aspect données et émissions de CO2. Alors, pour ceux qui ont eu l'habitude de faire des analyses de collecte, en général, donc, on met les dépenses. On met la partie peut-être risque également. Et ben maintenant, on va demander à nos fournisseurs de nous fournir toutes les émissions de CO2 qui vont concerner leurs produits, qui vont concerner leurs services. On va le prendre en compte dans notre stratégie achat. Si on va plus loin, on peut même rajouter cette analyse systémique qui va être l'analyse finalement qui va être faite sur l'environnement et sur l'impact qu'on a dans nos décisions. Alors là, c'est pour les sociétés les plus matures, mais lorsqu'elles vont faire leur stratégie achat, elles vont aussi faire une analyse systémique en se disant, bah voilà, je prends tel produit, je prends tel service, voilà l'impact que je vais avoir sur mon environnement. Réfléchissons à notre stratégie autour de ça. Donc ça, c'est pour la première étape du process. Si on va encore un peu plus loin dans le process, on a la partie sourcing. Donc en général, voilà, on va aller identifier des nouveaux fournisseurs. Et ben, lorsqu'on prend en compte les émissions de gaz à effet de serre, et ben, on va rentrer de plus en plus des critères de durabilité. On va sourcer des fournisseurs qui peuvent nous proposer des produits, des services qui soient le plus durables possible. On le voit notamment dans les marchés publics, de plus en plus, lorsqu'ils sélectionnent des fournisseurs, alors ça va plutôt être après la consultation, et ben, ils vont mettre des critères de durabilité qui vont être pris en compte dans la note finale de choix du fournisseur. Donc, pour une fois, les marchés publics, là, sont vraiment des bons élèves et expliquent vraiment, le prennent vraiment en compte. On le voit aussi qu'on essaye de plus en plus d'inclure du PME, des ESAT, qu'on va le mettre dans nos critères et que ça peut rentrer en jeu. Et si on va encore plus loin dans notre process achat, lorsqu'on a sélectionné notre fournisseur, on va rentrer en collaboration avec lui. Et là, pour le coup, on voit de plus en plus d'initiatives autour de l'éco-conception. Donc, pour ceux qui connaissent l'éco-conception et qui le pratiquent, bah, on va se rendre compte que c'est vraiment essayer d'avoir un impact environnemental dans l'ensemble de cycle de vie de notre produit. Mais l'idée, là, c'est vraiment d'avoir une collaboration étroite avec le ou les fournisseurs sélectionnés et de réfléchir ensemble à comment on peut, à chacune des étapes, donc vraiment de la construction, même de l'extraction des matières premières jusqu'à la destruction de notre produit, et ben comment je peux réduire mon impact environnemental, comment je peux réduire mon CO2, comment je peux essayer d'avoir un impact qui soit le moins négatif possible pour mon environnement. Parfois, on va même jusqu'à rajouter des clauses de durabilité. On va exiger voilà, de nos fournisseurs, sur les 2-3 ans du contrat, bah, qu'ils nous présentent comment ils ont réduit leur CO2, comment ils ont réduit leur impact environnemental. On peut même leur donner des objectifs à atteindre. Et puis, si on va encore plus loin dans le cycle achat, donc là, c'est vraiment lorsqu'on a une vision encore plus long terme, on peut même aller jusqu'à réfléchir à ce qu'on va faire des déchets de ce qu'on achète, voire pourquoi pas essayer d'intégrer l'économie circulaire, sortir de cette économie linéaire de « j'achète, je consomme, je jette »,
Ah, j'achète, je consomme et je remets en circulation mes déchets pour que ça puisse resservir et qu'il puisse être valorisé. Donc on le voit, l'acheteur il va avoir un rôle clé dans la réduction de l'impact environnemental. En tout cas, il peut l'avoir. Ça va de plus en plus lui être demandé. Et puisqu'on parlait d'ambiance tout à l'heure, ce qui semble évident, c'est que c'est pas parti pour s'arrêter aujourd'hui. La loi est en train de se durcir progressivement et on le sait maintenant, si tout se passe bien sûr, en 2024, il devrait y avoir une nouvelle loi qui va s'appeler la CSRD et qui va concerner du coup les acheteurs encore plus. Alors sans rentrer dans les détails, la CSRD qui est dérivée du devoir de vigilance française, elle va durcir ce devoir de vigilance puisqu'elle va s'étendre à beaucoup plus d'entreprises et en plus, elle va demander à ce qu'on, lorsqu'on publie des performances extra-financières, qu'on parle de nos émissions de gaz à effet de serre, et là, Philippe, tu vas pouvoir nous en parler, elle va également demander à ce qu'on soit maintenant des vrais experts des risques, quitte presque à prédire, à être capable de prévoir les risques, en tout cas avoir une maîtrise vraiment très forte des risques. Je ne sais pas, Philippe, ce que tu en penses sur ce sujet. J'en pense beaucoup de bien, effectivement. Vous voyez, comme je disais en commençant, Toutes ces priorités sont interconnectées. Quand on parle de RSE, il y a forcément Benjamin a cité le mot plusieurs fois d'impact. Impact, c'est vraiment du vocabulaire de gestion des risques, ça. Hein. Donc c'est la gestion des risques pour un responsable achat, pour un acheteur, ça fait partie de ses compétences, c'est normal. Là, on a vraiment l'occasion de les mettre en œuvre avec des enjeux qui sont bien plus importants, comme nous l'a bien montré Benjamin sur ces aspects RSE et réglementaires relatifs à la RSE. Et vous avez vu aussi la CSRD, elle est en lien aussi avec une dimension économique ou plus exactement extra-financière. Et tout ça est lié. Hein. Voilà. Alors, quand on parle de management des risques, déjà on va rappeler au fait c'est quoi un risque. Hein. En français, on n'a qu'un seul mot. Hein. En anglais, il y en a deux, il y a risk et il y a hazard. Qui définissent vraiment ce qu'est un risque. Je vais y revenir tout de suite. Pourquoi c'est important pour un professionnel, notamment des achats, de vraiment doper ses compétences en matière d'analyse de risque? Parce qu'il y a un truc que les humains n'aiment pas faire, c'est réfléchir avant d'agir. Ou alors, si ce sont des politiciens, là je ne vais pas me faire des amis, mais tant pis, j'assume. Si je suis politicien, là je ne fais que analyser. Et s'il y a un problème, ben je refais faire une analyse. Et s'il y a un problème, ben je refais faire encore une analyse, mais surtout, je n'agis pas. Pour le reste des citoyens, on va dire, on a plutôt tendance, nous, hein, je me mets dedans, hein, à agir tout de suite sans réfléchir avant. Souvent parce que, ah ben oui, mais maintenant, on n'a plus le temps. Je vous donne un exemple pris au hasard. Hein. La pandémie, c'est quelque chose qui n'arrive jamais, ça. Donc, ça ne sert à rien de faire tout un plan d'action, des fois qu'on soit en manque de certains médicaments ou de certains accessoires, mon Dieu, mais non, ça n'arrive jamais. Sauf que si d'aventure ça arrive, ben qu'est-ce qu'on va faire? Ben on va courir dans tous les sens pour pouvoir savoir comment agir face à ce risque qui est devenu réalité. Donc, ce qu'on va voir là, c'est que quand on est un professionnel, on doit d'abord analyser, puis ensuite proposer des actions si d'aventure le risque devenait réalité. Alors, quand on dit quantifier un risque, analyser un risque, ça commence par l'analyser, donc, c'est-à-dire le quantifier, établir un niveau de risque, c'est-à-dire lui associer un chiffre. C'est ce qu'on appelle aussi la criticité. De quoi est constituée cette criticité, ou de manière générale, de quoi est constitué ce risque? Il est constitué d'une cause, quelque chose, un événement qui provient et qui va créer derrière un impact, c'est-à-dire des conséquences. La combinaison des deux, le fait que cet aléa arrive souvent ou pas, combiné au fait que ça a un impact ou pas, va donner un niveau de criticité, c'est-à-dire un niveau de risque. Les professionnels qui ont cette compétence de gestion de risque savent très bien comment faire, utilisent des outils qui pour eux, du moins, sont connus. Hein. Si, quand on parle des outils achats, ben, dans l'outil marketing achat, dans le domaine du marketing achat, hein, c'est-à-dire d'analyse d'un portefeuille achat, vous avez par exemple l'analyse de porteur
qui permet d'identifier, de caractériser un marché et des acteurs, des parties prenantes, on dirait même maintenant, et puis derrière, des influences réciproques entre toutes ces parties prenantes, et puis une espèce de partie prenante extérieure que j'ai appelée ici l'environnement, mais dans le sens de contexte, pas dans le sens de environnement, dans le sens écologique, mais dans le sens de ce qui se passe à l'extérieur, notamment le fait que la réglementation, le climat, la géopolitique vont influencer un certain nombre de marchés. Et s'il y avait un tremblement de terre dans le nord de l'Afrique, quel impact ça pourrait avoir sur le business que j'ai, sur les achats que j'effectue? Ça n'arrive jamais, hein, mais si ça arrivait, qu'est-ce qui se passerait? Ça serait quoi? Quelles seraient mes stratégies pour pallier ces problématiques-là? Vous avez, une fois qu'on a fait cette analyse contextuelle, l'outil qui est utilisé par les acheteurs professionnels, c'est celui qui est figuré en bas, là, c'est-à-dire la matrice de Farmer, hein, qui combine la probabilité d'occurrence, c'est-à-dire est-ce que ça a de fortes chances d'arriver, enfin de risque d'arriver plus exactement, et quelle est la gravité, c'est-à-dire l'impact de cet aléa. Quand on combine les deux, je vous disais tout à l'heure, ça fait un scoring, et plus le niveau est important, plus c'est rouge, c'est-à-dire plus c'est risqué, comme on dit en langage courant. Ce qui est figuré là juste derrière le tableau, là, c'est un outil qui permet effectivement de gérer ça. Voilà, donc dans toute bonne formation achat, on aborde ce genre d'outils, et tous les professionnels des achats maîtrisent forcément ce genre de compétences derrière. Très bien, super, on a fait une analyse. L'idée derrière, c'est d'agir. Et juste avant d'agir, il faut définir des stratégies d'action. Pour gérer un risque, il y a quatre possibilités. Attention, généralement, on se focalise sur la première, alors qu'il y en a trois autres. La première, elle est très bien, hein, sauf que parfois, elle est inopérante. Réduire les risques, ça veut dire quoi? Ça veut dire ressourcer un fournisseur. Oui, à condition qu'on ne soit pas en monopole. Ou qu'on ne soit pas en monosource imposée par une direction générale. Voilà. Réduire les risques, c'est trouver une solution alternative. Oui, à condition d'en avoir le temps et la possibilité. Si je suis censé approvisionner quelque chose qui est en monopole, technique, parce qu'il y a un brevet ou autre, comment je peux contourner ça? Ben, c'est simple. Il n'y a qu'à faire développer une autre solution alternative, mais qui, elle, n'est pas sous brevet. Ou alors développer un fournisseur qui va créer de la concurrence. Oui, mais ça ne se fait pas en claquant des doigts, ça. Ça peut prendre un certain temps. Donc, réduire les risques, c'est très bien, mais parfois, c'est inopérant. Donc, il faut envisager les trois autres. Et par ordre de difficulté croissante, la deuxième possibilité, c'est assumer le risque. Je ne peux pas le réduire. Eh bien, je vais apprendre à vivre avec, ou plus exactement, moi, aux achats, je vais apprendre à ce que mon entreprise accepte, surveille ce qui se passe pour pouvoir vivre avec, c'est-à-dire, oserais-je dire, vivre dangereusement. Ce n'est pas interdit, c'est juste qu'il faut faire attention. J'ai un fournisseur qui a une dépendance économique qui est très forte, ok, je ne peux pas faire autrement parce qu'il est incontournable, pour plein de bonnes raisons d'ailleurs. Ok, l'idée c'est d'assumer, ce n'est pas de se mettre la tête dans le sable, c'est au contraire surveiller le fait qu'il va très bien, parce que s'il a des problèmes, ça aura des impacts pour mon entreprise. Voilà, donc ça, c'est assumer le risque. Troisième technique, si vraiment on a du mal à réduire, si vraiment assumer soi-même, c'est difficile, à ce moment-là, on peut décider aux achats, enfin, pardon, proposer, nous ne décidons de rien aux achats, je vous rappelle, hein. Nous sommes force de proposition, les achats proposent, les clients internes disposent. Donc, nous proposerons de transférer ce risque à un tiers. C'est-à-dire faire du procurement business process outsourcing, c'est-à-dire d'acheter une activité achat, qui d'habitude on fait soi-même, d'analyse de risque, de gestion du risque, mais cette fois-ci l'idée c'est de la sous-traiter, c'est-à-dire la confier à un expert qui fera ça bien, bien mieux que nous. Vous achetez des médicaments, de la cosmétique ou autre, ça nécessite vraiment de l'expertise pour assumer tous les risques sanitaires que ça peut impacter. Ce n'est pas le cœur de métier de votre entreprise, vous êtes aux achats, proposez de transférer ça à un laboratoire, à un cabinet expert.
Vous achetez de la matière première, allez, je prends un autre exemple au hasard. Vous achetez de la matière première, vous achetez de l'énergie, l'électricité, du gaz. C'est vraiment un travail d'expert. Soit vous êtes expert vous-même, vous vous formez à ça, très bien. Soit vous dites, ben, peut-être que je pourrais confier une partie de ce processus d'achat. Je parle bien du processus d'achat, hein. Pas de traitement de l'énergie, hein. On est bien en amont de ça. Hein. Confier cette activité d'achat à un tiers qui est un courtier en gestion d'énergie ou de manière plus globale, un cabinet expert dans ce domaine. La quatrième possibilité, alors là c'est vraiment l'ultime, c'est de proposer à votre client interne, votre entreprise, de tout simplement d'abandonner le sujet, de renoncer à ce projet au moins temporairement. Bon, et puis quand on parle de gestion de risque, donc vous venez de voir les quatre là, évidemment, on peut gérer les quatre de manière combinée, enfin les trois plus exactement, les trois premiers de manière combinée. Voilà, donc très rapidement, voilà le vrai terrain de jeu et les vraies compétences à développer en matière de gestion de risque. On va aller jusqu'au bout de tout ce qui peut se faire de bien et d'expert en matière de gestion de risque et derrière d'action pour gérer ces risques. Voilà. Donc, les achats, évidemment, force de proposition. Voilà, nous l'avons déjà dit. Alors, dernière priorité qui correspond à un dernier domaine de compétences bien connu des achats, ce sont les aspects économiques. Donc, Benjamin, dis-nous en plus là-dessus. Alors, c'est sûr, hein, qui dit aspect économique, quand on parle à un acheteur, on va forcément parler de coûts et surtout, on va forcément parler de réduction de coûts. Voilà, on va pas dire que c'est une nouvelle priorité. Je crois que ça a toujours été la priorité des acheteurs. Maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que c'est toujours la vraie priorité des acheteurs ? On se rend compte de plus en plus que la société a changé, l'économie a changé et finalement, l'argent ne fait pas tout. On l'a vu notamment pendant la crise Covid, c'est pas parce que les entreprises avaient beaucoup d'argent et étaient prêtes à mettre beaucoup d'argent sur la table pour s'approvisionner en masques qu'elles ont pu trouver tous les masques qu'elles voulaient. Et je vais même aller plus loin, et il y a une étude qui l'a prouvé, finalement, les entreprises qui ont été servies, c'est pas celles qui avaient le plus d'argent, c'est plutôt celles qui avaient les meilleures relations dans le passé avec leurs fournisseurs. Donc là, on en revient un peu, on commence à sentir l'intérêt des achats responsables et la valeur que ça peut apporter, mais on se rend compte surtout que voilà, c'est plus parce qu'on demande à l'acheteur, voilà, j'ai 7 millions d'euros ou 10 millions d'euros, achète-moi ça en essayant de me réduire les coûts, que un, il va être capable de le faire et que deux, ça va vraiment servir l'intérêt de l'entreprise. On ne peut plus se contenter d'acheter sans mesurer les conséquences. Et l'actualité le prouve. Donc voilà, c'est, pour ceux qui le savent, je trouve ça intéressant d'en parler. On a eu cette crise céréalière, alors qui se prépare, hein, parce que depuis juillet 2023, la Russie a décrété qu'elle sortait de l'accord céréalier. Donc pour l'instant, l'impact, il est pas très fort a priori. Mais ce qui est sûr, c'est que les céréales vont peut-être être produites, mais pour autant, c'est pas parce que on a l'argent qu'on pourra trouver des céréales. Et ça risque effectivement d'avoir un impact sur la façon dont on achète les céréales. Un peu plus loin, quand on parle de l'actualité, pour ceux qui l'ont suivi, il y a Stellantis, qui est quand même un grand groupe de l'automobile, qui a investi dès aujourd'hui 10 milliards d'euros, donc ils ont signé les contrats, pour s'approvisionner en semi-conducteurs d'ici 2030. Alors 10 milliards d'euros pour un groupe comme Stellantis, c'est pas forcément, voilà, ça peut pas paraître une somme énorme, mais ce qu'on rend compte, c'est qu'ils ne se sont pas pris en compte uniquement l'aspect coût dans leurs achats. Ils se sont bien rendu compte que dépenser de l'argent ne faisait pas tout, et ils ont essayé d'aller voir au-delà du simple coût. Et pour aller plus loin que ce simple coût et pour aller plus loin que cette simple « je dois réduire mes dépenses », il y a un outil qui est très intéressant, qui a été mis en place par la norme ISO 20400. Alors pour ceux qui connaissent cette norme, la norme ISO 20400, c'est la norme des achats responsables. Donc, c'est une norme qui est internationale. Et cet outil, alors moi, je l'appelle le TCO2E, mais dans la norme, on a tendance à l'appeler le TCO-LCC. Alors, je vais vous expliquer, hein, c'est pas si compliqué que soit, c'est pas si compliqué que ça en soi. Mais cet outil, finalement, il va reprendre les basiques de l'acheteur qu'on connaît bien, c'est-à-dire utiliser le prix d'achat comme premier élément de comparaison, auquel on va rajouter ce qu'on appelle le coût total de possession ou le coût complet, donc tous les coûts qui vont être liés finalement à la durée d'usage du produit ou du service,
Donc, ça va aller de l'acquisition jusqu'à la destruction de ce produit. Mais lorsqu'on va plus loin, lorsqu'on est plus mature et lorsqu'on veut aller au-delà du simple coût et ne pas regarder uniquement que l'impact prix, mais voir l'impact total qu'on a sur notre achat, eh ben, on va essayer de prendre en compte également tout ce qui peut être monétisé ou en tout cas tout ce qui peut être quantifiable comme impact dans le cycle de vie. Donc, quelque chose de simple à prendre en compte, déjà un peu plus simple, ça peut être les émissions de CO2. Ça devient une préoccupation, on l'a vu tout à l'heure, on peut le demander à nos fournisseurs, on peut essayer de le quantifier. Et ça, sur l'ensemble du cycle de vie, on parle vraiment de l'extraction des matières premières jusqu'à la destruction de ce produit ou de ce service. Pareil, on peut demander les consommations. Combien d'énergie on consomme, combien d'eau on consomme, on peut aller chercher à quantifier toutes ces données-là et le prendre en compte dans notre étude. Et si on est encore plus mature, si on veut aller plus loin et aller plus loin que le simple coût, avoir vraiment la mesure de ces impacts, on peut essayer de prendre en compte, même si c'est plus difficile, tout ce qui est coût du cycle de vie non monétisable ou non quantifiable. Ça veut dire qu'on pourrait très bien, lorsqu'on fait notre étude, nommer... presque dans la technique du name and shame, en tout cas faire prendre conscience à notre client que s'il choisit ce produit qui a un prix d'achat peut-être plus simple, alors c'est vrai, il va réduire ses dépenses, il faut qu'il sache qu'il a la possibilité de faire travailler des fournisseurs qui sont dans des pays à risque, ou à l'inverse, de faire bénéficier à l'économie française de fournisseurs locaux, ou de faire bénéficier à la région d'une main-d'œuvre supplémentaire. Enfin, il faut qu'il sache quels sont les bénéfices et les risques qui s'y apportent. Alors, pour que ce soit un peu plus clair, moi, ce que je propose, c'est de reprendre l'exemple des semi-conducteurs. Pour que Stellantis se dise aujourd'hui, je vais dépenser mes 10 milliards d'euros d'ici 2030, réfléchissons du coup avec cet outil et voyons un peu comment on pourrait faire notre analyse TCO de E. Alors, si on réfléchit tout simplement, déjà, on a le prix d'achat. Lorsqu'on a notre prix d'achat, ça va être pris en compte. Donc, j'achète mes semi-conducteurs à tel prix, donc c'est la première donnée qu'on va prendre en compte. Ensuite, on va voir quels sont les coûts qui vont rentrer dans l'usage, dans l'acquisition et dans la destruction de nos semi-conducteurs. Donc souvent, ça va être les coûts de commande, les coûts de transport, éventuellement les coûts des taxes, les coûts de la non-qualité, la maintenance et bien sûr les coûts des déchets. Et puis un peu plus loin, on va commencer à quantifier toutes les externalités. Alors, pour des semi-conducteurs, ça va souvent être la quantité d'énergie qui a été utilisée pour l'extraction, également la quantité d'énergie ou la quantité liée aux métaux rares. On sait que c'est des données qui sont importantes pour les semi-conducteurs et c'est très consommateur. On va regarder également la quantité de CO2 sur toute la durée de vie qui va être émise sur la durée de vie de nos semi-conducteurs. On peut, si on est capable, de quantifier la quantité de déchets toxiques qui va servir dans nos semi-conducteurs. La quantité d'eau également, on sait que c'est une ressource qui va devenir de plus en plus rare. Donc, c'est important de le noter, de comparer comme ça nos semi-conducteurs entre celui qui consommera le moins d'eau pour son extraction et pour son utilisation et celui qui en consommera le plus. On va comme ça essayer de quantifier tout ce qui va avoir un impact environnemental. Alors, on va le dire négatif, mais en tout cas, qui va avoir un impact environnemental et le prendre en compte dans notre décision. Et déjà, on se rend compte que ça va bien plus loin que la simple dépense ou la simple écart de prix. Et si on va encore plus loin, on va aussi le noter, indiquer qu'on risque de travailler en achetant ces semi-conducteurs via des pays qui, pour les fabriquer, ont été dans des zones de conflit, donc possibilité potentielle de financer des zones de conflit. On risque également, dans ces semi-conducteurs, on le sait souvent, qu'il y a des chaînes d'approvisionnement qui sont très longues, N+1, N+2, N+3, N+4, N+5, de se retrouver dans des pays qui ne respectent pas les normes, dans des zones où on ne respecte pas les droits de l'homme ou des conventions internationales. Et bien ça, on va également le noter. Et c'est comme ça qu'on peut arriver, quand même, pour un groupe comme Stellantis, à se dire, OK, peut-être que mon objectif, ce n'est pas forcément uniquement de réduire mon coût, mais ça va être d'aller plus loin et de regarder mon impact environnemental, de mesurer les quantités de CO2, d'aller regarder quels sont mes objectifs et quelles sont mes réglementations, et d'essayer d'aller plus loin que cette simple réduction de coût en m'engageant dès maintenant et en choisissant moi-même l'impact sur lequel je vais pouvoir peser. Et ça, Philippe, je ne sais pas ce que tu en penses, mais ça a tendance à me rappeler de plus en plus une fonction de business partner pour le métier d'acheteur. Et bien sûr, donc comme on l'avait dit en démarrant ce webinaire, puisque là maintenant nous allons conclure, c'est que finalement ces trois dimensions qui correspondent à trois priorités et qui donc trois domaines de compétences, donc les achats responsables, la gestion des risques et la partie économique, avec par exemple, comme nous l'a très bien montré Benjamin, la réduction des coûts, ça, c'est l'occasion
pour la fonction achat, pour les professionnels des achats, de se mettre sur le devant de la scène, oserais-je dire une nouvelle fois, pour montrer toute la contribution au bon fonctionnement de l'entreprise. Donc, ce que Benjamin a appelé effectivement business partner. Donc, c'est tout à fait dans l'esprit de ce qui se fait dans les organisations achats. Soit votre organisation achat a déjà compris toute la valeur ajoutée des achats, soit elle ne l'a pas fait. Dans tous les cas, l'idée, c'est de montrer ça. Il ne s'agit pas de le dire. Ce qui est bien plus efficace, c'est de le montrer. Donc, en synthèse, avant de répondre à vos questions, voici les 6 messages clés qui permettent d'orienter ce vers quoi nous voulions aller, c'est-à-dire positionner les responsables achats comme des business partners de l'activité de leur entreprise. Donc, nous l'avons déjà dit, il y a 3 priorités, 3 domaines de compétences à continuer de renforcer. Très bien. Et l'occasion de mettre en avant la fonction achat. Quand on parle de management des risques, pensons à bien utiliser tous les leviers et pas uniquement la réduction des risques, dans le but derrière de mettre en place des stratégies, dans le but d'agir, analyser et agir. Je te laisse commenter là, sur la partie RSE, Benjamin. Oui, donc voilà. Rapidement, pour qu'on puisse répondre aux questions. S'il y en a. Donc voilà, effectivement. Donc c'est vrai, comme tu le dis, on voit qu'il y a des compétences qui sont à renforcer. On voit qu'on peut utiliser de plus en plus de leviers. Et on se rend compte finalement que sur chacune de ces compétences, bah, l'acheteur, il a de quoi faire. Il peut apporter une vraie valeur à l'entreprise. Si je reprends le RSE, non seulement, de toutes les façons, on l'a dit, c'est des réglementations. Donc là, l'acheteur, il va aider l'entreprise à se conformer à ces réglementations qui vont, en quelque sorte, devenir des obligations. Mais en plus, l'acheteur, il va pouvoir trouver du sens dans ce qu'il fait. Il va pouvoir trouver du sens à la fonction achat. Et pour le coup, c'est peut-être beaucoup plus intéressant de se dire, bah voilà, je vais aider la planète à aller mieux. Je vais aider avoir un aspect social, avoir un rôle social, avoir un rôle sociétal, plutôt que se dire, bah, je vais passer mon temps à réduire des coûts, je vais finalement recevoir des appels d'offres hein, les uns après les autres, sans penser finalement à l'impact que je peux avoir. Là, je trouve que ça donne vraiment un sens à notre fonction et du coup, il faut y aller, il faut en profiter et ça va être regardé en plus par le management puisque ça touche vraiment au réglementaire, au sensible du management. Et si on va plus loin, alors on en a parlé, hein, mais c'est pour résumer dans cette gestion des coûts, bah, on se rend bien compte que aujourd'hui déjà, on ne peut plus avoir tout ce qu'on veut. Donc, il faut aller au-delà de finalement, les équipes, les clients internes me donnent leur budget et j'attaque. Malheureusement, c'est plus si simple que ça. Il faut aussi être capable du coup de bien négocier en interne, de bien exprimer ses positions en expliquant bah, pourquoi c'est pas si simple, en faisant des analyses de marché qui vont prendre en compte beaucoup de paramètres, notamment les risques et notamment les crises, notamment la conjoncture. Et puis, il faut être capable aussi de valoriser, de quantifier des choses qui sont pas toujours forcément quantifiables. Les bénéfices de travailler dans du local, c'est pas toujours évident, c'est pas toujours visible, même si on peut avoir ce petit côté chauvin de se dire c'est super, je fais travailler des Français ou une entreprise locale. Il faut aller un peu plus loin, expliquer c'est quoi l'intérêt, comment on peut comme ça servir les intérêts de la société et avoir un vrai impact sur ce qu'on fait. Donc on le voit bien, hein, Philippe, et je pense que c'est la conclusion. Le métier d'acheteur, c'est un métier qui a de plus en plus de valeur, qui a de plus en plus un rôle de business partner et on le voit qu'on touche plus uniquement au coût, on touche aussi aux risques qui vont toucher finalement aux réglementations, à la stratégie de l'entreprise et la RSE qui devient quasiment un incontournable des entreprises. Le métier d'acheteur et de manière plus spécifique, le métier du manager de ces acheteurs, hein, parce que là c'est vraiment ce que l'on visait aussi, hein, puisqu'il y a des choix stratégiques à faire, donc les acheteurs opérationnels doivent développer un certain nombre de compétences, on en a vu certaines, mais davantage son responsable achat, hein, qui doit vraiment avoir une posture de développer les compétences de son équipe, de développer également les siennes, notamment par rapport à la première priorité qui lui incombe, hein, c'est déployer la politique RSE de son entreprise. Donc, c'est pour ça que je plaisantais en début de webinaire en disant que nous avons chez Segos une formation diplômante qui s'appelle responsable achat et que j'ai failli appeler responsable achat responsable.
Sauf que maintenant, c'est un pléonasme, ça. Enfin, maintenant, nous, on le sait depuis longtemps, mais en fait, par rapport à l'opinion, c'est vraiment un incontournable. Maintenant, les achats doivent vraiment être alignés là-dessus. Maintenant, il y a des réglementations là-dessus. Donc là, maintenant, c'est vraiment incontournable. Et puis, de toute façon, comme je vous disais en démarrant, les priorités des achats sont clairement orientées vers ça. Alors, qu'est-ce qui me fait dire ça? Ce n'est pas juste nous par rapport aux 2000 acheteurs que Segos forme par an. Ce n'est pas que ça, étant donné les 200 000 à peu près qu'il y a en France. C'est les résultats d'enquêtes qui disent toutes la même chose. Alors, vous avez des enquêtes franco-françaises, hein, dont une qui est très bien faite, que je suis depuis qu'elle existe, c'est celle du cabinet Agile Bayer, qui est sur un périmètre français. Mais je regarde aussi des enquêtes internationales de gros cabinets anglo-saxons. Elles disent toutes la même chose. Les achats responsables, le management des risques et la gestion des coûts dans le top 3, ce sont toujours les mêmes. Il y en a d'autres priorités, hein, mais en tout cas, dans le top 3, ce sont celles-là. Alors, je vois Benjamin qui a une question sur BGS. Effectivement, je vois ça. Bah, du coup, merci pour cette question. Alors, non, toutes les entreprises ne sont pas soumises au bilan des émissions de gaz à effet de serre, ce BGS. Ça va dépendre de la taille de l'entreprise. Alors, il y a des règles précises que vous pourrez facilement trouver, mais de manière générale, on dit que pour les entreprises, tout ce qui est personne morale de droit privé, on est au supérieur à 500 salariés, au-dessus de 500 salariés. Elles vont être plutôt soumises au SBGES. Et en dessous de 500 salariés, normalement, elles ne devraient pas être soumises. Vous avez également les personnes morales de droit public, donc les collectivités publiques. Alors là, eux, c'est plutôt au-dessus de 250 salariés. Là, elles pourraient être soumises à SBGES. Donc toutes les entreprises n'y sont pas soumises, toutes les collectivités publiques n'y sont pas soumises. Il y a aussi des degrés, est-ce que c'est 3 ans, 4 ans que vous devez publier vos bilans des émissions de gaz à effet de serre avec la trajectoire. En revanche, ce qui est sûr, c'est que vous avez forcément dans vos clients ben, des clients qui y sont soumis. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si en tant qu'entreprise, vous n'y êtes pas fourni, soumis, eh ben, en tant que fournisseur, vous allez forcément devoir rendre des comptes à vos clients qui souvent pèsent bien plus que 500 salariés et qui, eux, y sont soumis et qui, eux, vont vous demander de fournir des informations sur vos émissions de gaz à effet de serre, sur vos impacts CO2. Donc, même si directement vous n'y êtes pas soumis, indirectement, avec ce scope 3 qui s'étend aux achats, eh ben, on va inclure les fournisseurs dont vous ferez forcément partie en tant que, parce que vous avez des clients ou des collectivités publiques. Et ça va avoir pour sûr un impact sur l'acheteur. Très bien. Voilà pour ma réponse sur ce sujet-là. Alors, si vous souhaitez aller plus loin sur ces sujets, en tout cas, si vous êtes un professionnel des achats, à la limite, j'ai envie de dire, il y a même, la question ne se pose même pas. Il faut développer les compétences. Si vous avez déjà tout ou partie de ces compétences, pour les développer, évidemment, il suffit, vous pouvez, il y a beaucoup de sources là, que l'on a mentionnées. Par exemple, sur l'aspect RSE, Benjamin a mentionné l'ADEME. Hein, qui est un organisme français, hein, cependant, qui adresse des problématiques de RSE. Ce qui se passe au niveau européen aussi donne des véritables orientations. Hein. Il y a effectivement des formations aussi qui sont spécifiques à ça, hein, chez Segos ou ailleurs d'ailleurs, hein, qui peuvent vous aider à renforcer vos compétences sur la partie risque ou la partie analyse d'un marché, donc analyse de risque, sur la partie quantification, des risques, etc. Et puis, vous avez donc une formation plus globale qui aborde dans son intégralité toutes ces problématiques, hein. Donc, c'est effectivement la formation responsable achat chez Segos dont vous avez les coordonnées là, dans le chat. Donc, en conclusion de la conclusion, je dirais, et si les responsables achats devenaient des responsables achat responsable. Voilà. Merci de votre participation. Merci d'avoir été nombreux à participer. Et si vous avez des questions, bon, bah, vous pouvez évidemment contacter
Ségos. Vous allez recevoir également un questionnaire de satisfaction par rapport à ce webinaire. Et vous aurez accès également au replay de ce webinaire que vous pourrez aussi partager avec vos amis. Voilà, merci, bon appétit parce que c'est l'heure. Et j'espère à bientôt. À bientôt, bonne journée à tout le monde.